Hello, hello, hello! Bonsoir tout le monde! On va mettre ça de côté tout de suite. Oh, attends, c'est ici. Good! Hello, hello! Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Xavier, bienvenue au Double Tour, le talk show Age of Sigmar. Bonjour à tout le monde dans le Twitch chat. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à ceux aussi qui regardent en rediffusion sur les YouTubes. Salut Saline, salut Foubar, salut Jean-Ni. Hello PL, j'espère que tout le monde va bien. On va tasser ça. Alright. On a un beau petit show ce soir, on va faire... un retour sur Broken Realms Morathi. On va faire un gros retour sur toutes les règles qui ont pu été sorties en fin de semaine finalement par les multiples Man Reads Books sur internet. Donc on va faire un petit récapitulatif de toutes les règles pour les différentes factions parce qu'il y a beaucoup de stock. Il y a quand même pas mal de stock, puis du stock assez... Disons que ça va avoir de l'impact, je pense. En particulier certaines factions qui ont un gros bonus. Salut Torgnar, hello hello. Bienvenue dans le chat. Feels like a sir certain. Ça mérite bien un petit coup de chapeau ça. Ouf. Alright. That's it, feels like a sir. Avant qu'on commence à parler de Broken Realms... J'ai deux petites annonces à faire. Feel like a sir, j'ai le goût, yes! Premièrement, on a le concours Paint to Glory qui est toujours en... Ben, ça a starté la semaine passée finalement, fait que c'est pas compliqué. Donc, si vous voulez tous les détails, vous faites ! Paint to Glory. Le concours qui est en collaboration avec le Bastion, donc basically... Oh, that's it! Ça aligne avec le subscribe. On n'a pas pu résister. Il fallait feel like a sir. Merci, Saline. Super. Content de t'avoir ici. Fait que... Tu m'as coupé avec ton super sub. Dans le fond, Paint to Glory. Vous achetez une boîte du Bastion. Vous la peinturez. Vous la submit. Et puis vous entrez automatiquement dans le concours. Si vous êtes en plus un subscriber du channel, vous avez automatiquement une chance additionnelle de gagner. Donc déjà là. Et parlant de subscribers, j'ai un giveaway. Lorsqu'on va atteindre 15 subs, je fais tirer une carte cadeau de 30$ du Bastion. Donc là, Saline nous a déjà rapproché. On est à 13 subs sur 15. Ça serait super cool qu'on atteigne ça prochainement. Donc, pouvoir faire tirer la carte cadeau à travers vous autres, ça serait top. Tiens, on va enlever l'alarme ici. Fait que ça, c'est première chose. On a le concours Paint to Glory. Pour tous les détails, vous pouvez aussi faire dans le fond, !Paint to Glory, ça va vous amener sur le post Facebook qui avait été fait par le Bastion. Puis là, tous les détails du concours sont inscrits là. Fait que j'ai bien hâte de faire le premier show du Paint to Glory. Ça va être le 24 novembre. On va pouvoir commencer à présenter les submissions qu'on a eues. J'ai moi-même commencé à travailler sur ma submission. Quoique moi, je peux pas gagner, là, clairement. Yes, merci Gab. Mais j'ai décidé quand même d'acheter une boîte puis de peinturer avec tout le monde là, pour la durée du concours, finalement. Fait que j'ai reçu mon... Start Collecting Slaves to Darkness. Je l'ai tout monté en fin de semaine et il est tout primé. J'ai d'ailleurs ici le carcaderac pour vous montrer qu'il est prêt à être peint. Il est tout noir, tout primé déjà. Fait que le reste du Start Collecting est prêt aussi. Hey yo, hey yo. Fait que ça va s'en venir. Commencer à travailler là-dessus prochainement. Deuxième annonce qu'on fait ce soir. Ça va venir toucher surtout les amateurs de Tabletop Simulator. On a un tournoi Je vais juste mettre le beau poster. Attention. Boum! Il va falloir que je me tasse de même. Saline qui dit « J'ai reçu le tiers de ce que j'ai besoin pour ma soumission. » Nice. Tu vas finir par tout avoir. Ça s'en vient. Tu vas pouvoir... Au moins, tu vas peut-être pouvoir commencer déjà un peu ce que tu voulais faire. Fait que... Tiens, je vais tasser ça de même. Comme ça. Home Hammer! Home Hammer qui va être un tournoi de Age of Sigmar que je vais hoster le 29 novembre, donc un dimanche. Ça va être le premier tournoi du genre, entièrement sur Tabletop Simulator. 8 joueurs. Ça va être un tournoi à élimination simple, donc ça va être comme un bracket. Là. Les pairings vont être sortis le matin même, puis si tu gagnes, tu passes à la suite. Si tu perds, t'es éliminé. Ça termine là. Donc ça va être un élimination simple comme ça, single elimination. Frais d'entrée entièrement remis en prix. Les frais d'entrée, ça va être 10$. Et puis, tout au complet va être remis en prix là, à la fin de la journée. Il va y avoir des prix de participation aussi. Là, donc, ça ne va pas juste aux gagnants. Donc, ça va être assez cool. On va quand même avoir du monde intéressé pas mal. Il y a un Discord qui a été seté pour Home Hammer. Tout simplement faire le... Je vais le faire d'ailleurs dans le chat pour que les gens... Oups, les gens l'aillent tout de suite. Si vous voulez joiner le Discord, c'est direct là. Donc, vous êtes la bienvenue sur le Discord. Ça va être là que les gens vont pouvoir faire le tournoi. Mais c'est aussi un Discord que... vous pouvez accéder, puis si vous voulez chercher des gens pour jouer des games sur TTS, il n'y a pas de problème. Puis le Players Pack va se retrouver éventuellement sur le Discord et sur l'événement Facebook. Là. Il y a un événement Facebook aussi qui a été lancé. Donc, si vous faites !Home Hammer, ça va vous sortir le lien du Facebook, ou vous descendez en dessous du channel, en dessous de l'écran, il y a la fiche Home Hammer, vous pouvez cliquer là-dessus, puis ça vous amène direct à l'événement Facebook. Donc, on l'annonce aujourd'hui, on va avoir des détails à fignoler encore dans les prochains jours, particulièrement quand est-ce qu'on accepte les entrées, les gens. Puis comment ça va fonctionner. Et le Players Pack, j'ai commencé à travailler là-dessus, mais il n'est pas totalement terminé. Donc ça, d'après moi, ça va sortir aussi dans les prochains jours. Fait que ben hâte de faire ce tournoi-là. 8 joueurs pour commencer, mais si ça va bien, c'est sûr qu'on aimerait ça augmenter, possiblement faire des plus gros tournois sur TTS dans les peut-être les prochains mois. Là, on va voir... comment ça marche tout ça, mais ça devrait être assez cool, ça devrait être pas pire. Fait que pour plus de détails, vous avez les liens. Vous avez les liens. On va retirer le poster. That's it, ici, voilà. Je la coupe. Ah, c'est possible. Cool. D'ailleurs, je vais aussi lancer une vidéo probablement dans les prochains jours. Ou probablement en fin de semaine, là, je vais faire un genre de tutoriel pour les gens qui voudraient essayer Tabletop Simulator, puis comment jouer à Age of Sigmar sur Tabletop Simulator. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste savoir où aller, quoi chercher. Donc, je vais probablement enregistrer une vidéo, mettre ça sur YouTube, puis ça va être disponible pour tout le monde. Puis, c'est sûr que dans les prochaines semaines aussi, moi, je vais être disponible pour faire des games. C'est des gens qui veulent l'apprendre comme du monde aussi, là, Tabletop Simulator. C'est sûr, je ne peux pas le montrer à nécessairement tout le monde, mais on va essayer d'avoir du monde, là, qu'on va avoir une petite communauté de joueurs là, pour qu'on puisse commencer à pratiquer tout ça, puis à essayer d'avoir un beau petit tournoi. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça pour les annonces d'aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va... entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. On va descendre ça ici. Et on va ramener ça. Alright. Donc, Broken Realms. Je sais pas s'il y en a d'entre vous, probablement, qui ont regardé un peu qu'est-ce qui se passait avec ça en fin de semaine. Beaucoup de stock. J'ai pas, finalement, moi je voulais vraiment voir c'était quoi le lore du livre. Ça m'intriguait beaucoup finalement. Il y avait des vidéos qui résumaient un peu le lore, qui rentraient peut-être un peu en détail, mais il y avait beaucoup d'opinions dans le sens où ce que ça valait vraiment la peine de le lire puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'attendre. Je vais probablement attendre puis possiblement me le procurer en digital là, à sa sortie, juste pour pouvoir lire l'histoire du premier livre avec Morathi. Là, ça a l'air vraiment, vraiment très intéressant. PL dit du bon stock, oh oui. Fait que j'ai bien hâte pour ça. Fait que côté lore, on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas regardé. Puis s'il y en a qui ont regardé le lore de Broken Realm, s'il vous plaît, vous abstenir de spoilers. On va vraiment plus se concentrer sur les règles aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Daughters of Khaine. On a toute la partie Daughters of Khaine ici. Y en a-tu des joueurs de Daughters of Khaine dans le chat? Hein, l'autre jour, on avait Cédric. Mais là, il est pas là ici, peut-être, pour nous donner sa sagesse. Spoiler, ça parle de Morathi. Hey! Non! Faut pas le dire. Faut pas le dire. Je savais même pas que ça parlait de Morathi. Ok. Ok. Tony, ouais, Tony est pas là en ce moment. Salim est un ex-joueur, ok, cool. Je pense qu'ils ont des choses cool là, pour Daughters of Khaine. On va aller voir ça immédiatement. Donc, le nouveau temple, la nouvelle sous-allégeance Zainthar Kai, qui était l'allégeance qu'on se faisait teaser pour principalement jouer des serpents, les Melusai. Donc, on a quand même eu du good stuff. Vite comme ça, 15 Essence, on ajoute 1 à la bravoure. On l'avait vu dans le teaser. Ça paraît banal, 1 de bravoure, bon, c'est un petit buff. Mais, comme Cédric nous l'avait bien dit la semaine passée, plus 1 de bravoure, ça veut dire que tu as plus de chances de battre la unité ennemie avec ton Mind Razor, avec ton rasoir mental. Fait que ça, oui, c'est ça, c'est la sous-faction Cobra Kai. Donc, c'est pas mauvais, c'est pratique. Ça va être bon, justement, si on casse le spell sur les serpents. Puis, by the way, gang, n'hésitez pas aussi à mentionner s'il y a des combos ou quoi que ce soit que vous pensez et que je ne mentionne pas. J'ai beau connaître un peu la plupart des armées, je ne suis pas particulièrement versé dans chacune d'entre elles, comme ici Daughters of Khaine, j'ai jamais vraiment joué Daughters of Khaine, j'ai joué quelques games contre, mais pas plus que ça. Fait que c'est le fun d'avoir aussi votre input à vous autres. Fait que gênez-vous pas. On a Vault of the First Brood. Donc un héros additionnel peut avoir un Artifact of Power. Ok. C'est chill. C'est comme avoir un bataillon de toute façon. Power in the Blood, Command Ability, c'est once per phase. Une Zainthar Kai, Melusai, Unit ou Harpy peut se battre si elle est Holy Within 12 d'une Zainthar Kai Hero. Et on ajoute 1. Non, elle ne peut pas se battre. C'est juste qu'on ajoute 1 à leurs attaques. La particularité ici d'ajouter 1 à leurs attaques, c'est que c'est bien écrit once per phase. Ça dit pas combat phase. Ça veut dire que si on utilise l'habilité de Morathi pour pouvoir attaquer dans la combat phase, ben ça pourrait s'appliquer aussi. On pourrait se faire battre, faire nos Paladin puis attaquer les Melusai ou les Harpies dans la combat phase et leur ajouter plus 1 à leurs attaques. Fait que il y a peut-être des choses un peu tricksy à faire avec ça là. Fait que c'est intéressant. On a le Command Trait. À la fin de la Combat Phase, on roule un dé pour chaque enemy unit en dedans 3 pouces du général sur un 5+. La unit se fait des 3 mortels. C'est pas terrible comme Command Trait, là. Sur un 5+, faire des 3 mortels. C'est pour chaque enemy unit, mais en même temps, C'est rare que ton général, à moins que ce soit Morathi, mais tu sais, elle aura pas le command trait anyway de toute façon, mais c'est rare que tu veux ton général engaged avec le plus de units possible. Puis E5+, ça va arriver une fois sur 3. Il y a des meilleurs command traits que ça, mais bon. Le reste est quand même intéressant pour Zainthar Kai. On passe ensuite au bataillon. Les Daughters of Khaine ont eu droit à 3 bataillons. Donc on a la Viperic Guard. On va dire c'est ça. Donc on a Morathi-Khaine et Shadow Queen. Parce que maintenant le War Scroll est splitté en 2. On va revenir là-dessus tantôt. On a 1 à 2 Bloodrack Medusé or Melusai Iron Scale et 2 à 3 Blood Sister Units ou Bloodstalker Units, n'importe quelle combinaison. Une fois par bataille, un héros du bataillon peut utiliser un Command Ability sans spender un Command Point. Donc, des habilités qui te laissent utiliser des Command Ability sans que ça te coûte un CP, c'est toujours solide. C'est juste une fois par game, par contre, mais ça peut être pratique, là, surtout qu'on voit des common abilities dans Daughters of Khaine, là, ça peut être assez intéressant. Donc, c'est pas mauvais. Si tu veux jouer Morathi, ben, elle fait partie du bataillon, c'est intéressant. Tu as besoin d'une Méduse ou d'un Melusai Iron Scale, puis tes units de Blood Sister, tes units de Bloodstalker, tu vas les prendre probablement de toute façon là, à faire ça. C'est la première fois que je vois un bataillon avec un Hero Named. Ouais! Il y en a une bonne gang dans ce livre-là. C'est pas la dernière fois non plus qu'on va le voir, mais effectivement, de mémoire, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Je suis pas certain s'il y a d'autres livres qui ont des bataillons avec des named characters. Peut-être Night Hunt? Pas certain. Donc ensuite, on a le Scat Coven, un Bloodrack Medusa ou Iron Scale, on a 1 à 4 units de Blood Sister, 1 à 2 units de Bloodstalker et 0 à 2 Khinerai Harpies. Do not take battle shock test for unit from this battalion. Correct. Si on veut maxer le nombre de units qui rentrent là-dedans, ça peut être intéressant. Que les harpies fassent partie du bataillon, c'est toujours bon. Là. Dans le livre Daughters of Khaine, il y a le Cauldron Guard, je pense, que les harpies font partie du bataillon. Puis, tu sais, généralement, tu prends toujours 1 ou 2 units de harpies là, quand tu joues Daughters of Khaine, juste pour leur habilité de dropper, genre au 4e round, pour aller peut-être prendre des objectifs dans le territoire ennemi en arrière. Là, fait que dès que ces units-là font partie de ton bataillon, c'est déjà super intéressant. Là. Cool. L'habilité aurait pu être plus nice, mais si tu commences à maxer des grosses units là-dedans, ça peut être bien. Et on a le Shrine Brood. Ouais, les Heart Seekers. C'est pas les Heart Renders, puis les Life Takers. C'est pas ça les Harpies. Je suis pas certain. Pas certain. Le Shrine Brood, c'est le bataillon qu'on avait vu en teaser. Donc, celui-là avec les shrines, les units de Blood Sister, les 2 units d'Harpie. Donc, la composition est intéressante aussi. L'organisation est intéressante. Le Blood Sacrifice, ben, c'était que tu pouvais sacrifier des modèles pour healer ton shrine. Donc, intéressant. Ça prend 2 Bloodrack Shrine. Par contre, ça aurait été hot si tu avais le choix de prendre un Bloodrack Shrine ou le Cauldron of Blood. Ça aurait été vraiment, vraiment meilleur, je pense. Mais bon, si quelqu'un veut runner, probablement que quand tu runs ce bataillon-là, d'après moi, tu dois pas runner Morathi. Tu dois avoir 2 shrines en place. Là. Fait que, je me souviens de Heart quelque chose avec les javelins. Ouais, c'est ça. C'est Heart Renders, me semble. Mais prenez pas ça pour du cash. Là. Je suis pas certains à 100%. Donc, les bataillons, c'est tel que tel. C'est pas mauvais. Moi, personnellement, j'haïs pas... Si on est pour jouer Morathi, moi, j'haïs pas la Viperic Guard. Là. Avoir un command ability gratuit dans la game, pas mauvais. Mais l'organisation ici peut être intéressante aussi, surtout avec les harpies qui sont dans ces 2 bataillons-là, que ça devient super intéressant. Fait que, cool. Cool, cool, cool. On arrive au War Scroll. On arrive à Morathi qui a maintenant son War Scroll splitté en deux. Donc je sais que l'image est pas top top là. Mais basically on a petite Morathi, on a grosse Morathi maintenant qui va toujours être sur la table. Donc ils viennent ensemble, ça coûte 600 points pour les deux. Mais ils sont séparés, c'est deux units différentes là. Ce que j'ai pensé pour la Shrine Brood, tu rajoutes le Endless Spell, Life Swarm, tu peux casser les Melusai et les ramener. Oui, ça peut être intéressant. Mais est-ce que l'investissement du Endless Spell va vraiment valoir la peine? Est-ce que tu vas perdre tant que ça? Parce que tu veux, de toute façon, tu veux que tes serpents se battent rapidement là. Mais c'est un combo intéressant, oui. C'est juste que tu peux le faire juste une fois par tour. Si je me trompe pas. Fait que tu vas healer deux wounds. Non, ça dépend de la grosseur de ton serpent. S'il est deux wounds, ben tu vas healer deux wounds. Si c'était juste un wound, tu vas healer un wound. En tout cas. Mais oui, ça peut être quelque chose de cool. Effectivement. Donc, petite Morathi, elle a 6 wounds, 4 plus de save. Elle a son weapon, 3 attaques. Puis c'est du melee weapon, elle a pas de shooting. Donc 3+, moins 1 des 3, puis 6 attaques, 2+, moins 1. Bon, that's it, c'est pas un combat character de toute façon. Donc ici, il mentionne que le modèle va être considéré comme ton général, en plus du modèle que tu choisis comme ton général. Donc tu peux avoir les deux, un général, là, Morathi considéré comme un général, et l'autre... L'autre unit que tu choisis qui n'est pas un name character va être aussi ton général. Donc c'est intéressant parce qu'elle va bénéficier aussi des command abilities qui sont plus grosses là. Les command abilities génériques là, que quand c'est ton général, ben, l'aura est plus grosse ou le range est plus gros là, fait que ça c'est bon. Ça mentionne aussi que Shadow Queen doit être sur la table si tu as petite Morathi-Khaine sur la table aussi. Donc moyen hit rolls des targets. Elle a tout simplement un moyen hit rate. Super bon. Là, il explique que toutes les wounds, One Soul, Two Bodies, ça voulait dire que toutes les wounds, les Mortal Wounds sont infligées à Morathi-Khaine, vont plutôt être infligées à la Shadow Queen et n'ont aucun effet sur ce modèle-ci. Par contre, les wounds qu'on transfère à la Shadow Queen ne peuvent pas être savés, ne peuvent pas, avoir un ward save, ne peuvent pas être negate d'aucune manière. Il mentionne aussi un peu comme la règle des gargants qu'on a eue. S'il y a un spell ou une habilité qui ferait que Morathi-Khaine serait slain, elle l'est pas. Et il y a plutôt 3 wounds qui sont allocated à la Shadow Queen. Si la Shadow Queen meurt, après qu'on enlève son modèle, Morathi-Khaine est aussi morte. Donc, les deux vont mourir lorsque Shadow Queen va mourir. C'est un wizard, peut caster 3 spells et unbinder 2 spells. Elle a +1 to cast, dispel unbinding. Et elle connaît Black Horror of Ulgu. Donc, casting value 7, un range de 36. À l'avant, elle avait une habilité qui doublait son range à toutes ses spells. Maintenant, ils l'ont plutôt inclus dans son spell ici. Donc, Mystic Shield ne sera pas doublé, Arcane Bolt n'est pas doublé le range non plus. Ou si vous jouez dans des realms, les spells de realm, vous ne pourriez pas doubler le range, comme elle faisait avant. Donc, range de 36. Si c'est successful cast, un enemy unit, tu roules un dé. Sur un 1, c'est une mortelle, 2 à 3, c'est D3, et sur un 4+, c'est D6. Donc, un spell de Mortal Wound. Le fait qu'elle en casse 3, elle va pouvoir caster des bons spells pour buffer ton armée. Et elle a la command ability que tu peux dire à une unit soit de shooter, soit de se battre dans la hero phase. Puis on peut pas la spammer non plus, ce qui aurait été complètement stupide avec des Blood Sisters. Comme un certain Archaon sur un certain Teclis, il ne va pas si longtemps. Non! On parle pas de ça. On n'en parle pas de ça. Surtout que PL est dans le chat, on lui rappelle pas. On lui rappelle pas son succès de samedi passé. Non, 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 non. Ouais. Donc, Ça, c'est pour Morathi-Khaine et on va aller tout de suite voir le War Scroll de... Oups, ça marche pas. Le Shadow Queen. Shadow Queen. Fluide, merci, merci PL. Super fluide. Donc la Shadow Queen, 12 wounds, 4+. Elle a encore son shooting à 18 pouces. Fait maintenant D6, moins 3 de rend, D6. Heart Render, ils ont solidifié pas mal son dommage. Pas mal moins swingy, donc Heart Render est rendu sur du 3. Crown of Serpent, puis Envenom Tail, moins 2 et fait 6 en partant aussi. Donc le dommage est beaucoup moins swingy. Je pense que c'était même des 6 après ça. Là, là ça descend, là, 5, 4, 3, 2. Donc c'est intéressant. Bon, on nous explique les mêmes règles avec Morathi-Khaine. Quand ce modèle-là est à 3 pouces d'un enemy model, on rajoute 1 aux attaques. Pour tout le monde. Donc, toutes les harpies, toutes les Melusai qui sont wholly within 18 de la Shadow Queen. Fait que si tu prends ta Shadow Queen, tu l'envoies en combat, tu vas automatiquement buffer toutes tes units qui sont alentour et qui vont venir se battre avec elle aussi. Donc, peut être intéressant. Ça va buffer par contre seulement les Melusai units, mais avec les bataillons qu'on a vus, c'est probablement plus ce qu'on veut jouer si on joue... Morathi. Et là, le Monster Keyword, donc Danger, c'est pas pire pour la Shadow Queen, effectivement. Ça peut être intéressant avec le Monster Keyword. Elle pourrait avoir la... C'est un spell ou une Command Ability, Danger? Je pense que c'est un Command Ability hein, qui fait que tu peux te battre comme si t'étais full. Ou c'est peut-être le spell, je suis plus certain. Donc ici, c'est la même règle. Two Bodies, One Soul pour ce qui est de Shadow Queen. On a encore la règle de... C'est ça, la Command Ability. On a encore la règle de Iron Heart of Khaine. Donc, pas plus de 3 wounds ou mortal wounds peuvent être allocated dans le même tour. Donc, une fois que 3 wounds, mortal wounds ont été faits, ben, le reste ne peuvent plus être allocated. Donc, ça, c'est la même règle qu'elle avait. Puis là, ils sont venus préciser ce qu'on avait eu dans un FAQ. Les wounds, les mortal wounds allocated at the start of the battle round count towards the number of wounds allocated to this model in the first turn. Ok, fait qu'ils sont venus, ça je l'avais pas vu, ils l'ont faqué. Maintenant ça fonctionne plus. Avant, on pouvait faire plus de dégâts à Morathi avec les Endless Spells qui faisaient leurs dégâts au début du battle round, donc avant qu'on soit dans un tour ou l'autre. Fait que c'était une manière de descendre Morathi plus vite si on pouvait garrocher un Geminid ou quelque chose comme ça. Donc ici, ils viennent préciser que si on y fait 3 mortels au début de la battle round, ben ces 3 mortels-là vont compter dans le tour immédiatement après. Là, donc elle va déjà avoir atteint son maximum. Là. Fait que ça vient la buffer un peu pour cette habilité-là, ce qui était déjà une très bonne habilité. Mais on vient de venir protéger une des faiblesses. Là, fait que vraiment, ça c'est pas pire. Puis elle peut pas être slain d'un coup, elle va plutôt manger 3 wounds. Donc assez intéressant. Hey! Salut Tony! Hello, hello! Fait que les War Scrolls sont super intéressants. Morathi, vraiment... elle a eu un bon buff. Autant en combat que pour son utilité, parce qu'avant, la petite Morathi, on la voyait jamais. On la voyait jamais, on l'a transformée immédiatement en Shadow Queen, fait que... Ça servait à rien d'avoir le modèle pratiquement. Il restait pas longtemps sur la table parce qu'on voulait pas qu'il mange des wounds pour que quand on va la transformer, ben on double les wounds allocated. Fait que Shadow Queen commençait peut-être déjà à 6 wounds au lieu de 12. Là. Fait que c'est pas terrible. Elle ne peut pas être healée. C'est dans la Iron Heart of Khaine, ça. Cannot be healed. Ah oui, je le vois ici en bas. Okay. Wounds allocated to this model cannot be healed. Ouais. Ok. Fait que... Cool. Perso, je pense qu'ils ont eu des bons buffs au niveau de Morathi. Oui, je pense que c'était déjà comme ça, effectivement. Je pense qu'elle avait déjà la règle qu'on pouvait pas healer Morathi d'aucune façon. Ils l'ont juste transposé avec le nouveau War Scroll. C'est plus le bout du début du Battle Round qui sont venus qui sont venus un peu plus clarifiés, puis tant mieux, là. Ce qui fait que Gur donne un gros boost, plus le bataillon de Morathi direct. Ouais, oh oui, ça va aider pas mal. Puis oubliez pas qu'elle peut se battre. Non, pas elle, c'est les Melusai. Fait qu'elle... Oubliez ce que j'allais dire. J'allais dire qu'elle peut utiliser sa commande de Pilti pour se battre, mais non. Elle ne peut pas se le faire à elle-même. Mais c'est le genre de modèle que tu vas garrocher dans le tas avec tes serpents. Puis tu vas avoir la petite Morathi-Khaine en arrière qui va être là pour support, casser les spells. Fait que vraiment, je pense que ça rend pas mal plus justice au modèle de Morathi, qui était juste un super de beau modèle, incroyable modèle, mais comme je disais, on voyait juste la grosse à la table, on voyait pas la petite. Fait que tu te demandais un peu pourquoi elle venait dans la boîte si finalement l'utilité était pas là du tout. Là. Fait que ça complète pour Daughters of Khaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Trouvez-vous que ça rend... Ça a donné quoi? Ça a donné un bon buff? Est-ce qu'on pense que Daughters of Khaine vont être up après tout ça? Et surtout, est-ce que c'est viable? On parle pas nécessairement du War Scroll de Morathi, là, mais plutôt de le temple ici. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça bat Hagnar? Ou est-ce que c'est assez viable pour considérer ce temple-là au lieu de jouer Hagnar, ou même Celebron à un certain point, mais Hagnar est quand même le big boss du livre, là. Je sais pas. Personnellement, je sais pas si tous ces buffs-là... Puis c'est sûr qu'on a les nouveaux War Scrolls aussi, là, qu'on a su pour les Blood Sisters, les Bloodstalkers, puis la Melusai Iron Scale, là. Ils ont buffé, puis ils ont nerfé un peu les units, là. Ils ont changé un peu leur fonctionnement. Mais au final, je sais pas si une armée de serpents va valoir la peine versus le classique Daughters of Khaine qu'on voyait avec Cauldron of Blood, des Witch Elves, des Sisters of Slaughter. C'est dur à dire. C'est le fun de voir que c'est probablement plus viable que ce que c'était. Mais je suis pas certain qu'on atteigne le même niveau de... En tout cas, d'un point de vue compétitif, je pense que Hagnar va rester roi. Peut-être même que... Ouais. Je sais pas. Hagnar est nice, mais ça prend des Witch Elves, effectivement. On voyait pas la petite parce que la grosse bloquait la vue. Ouais, c'est ça. S'ils avaient gardé la Crystal Touch, oui, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. En particulier, le Crystal Touch était à une attaque profile avant, fait qu'on pouvait le buffer avec les +1 d'attaque. Mais là, ils l'ont rendu en inhabilité. Fait que c'est plus moyen de buffer le Crystal Touch qui faisait une mortelle sur un 4+. Tony qui dit ça stabilise le Battle Tome, mais sans plus. Ouais, je pense que, effectivement, je pense que c'est bien parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes à des choses intéressantes, je pense. Il va y avoir du playtest. On va peut-être voir des armées de Daughters of Khaine assez différentes sur la table, ce qui est super cool. Puis peut-être qu'on va se rendre compte que tout ça vaut la peine, que le combat est intéressant, puis que les Blood Sisters, Bloodstalkers, particulièrement des Bloodstalkers qui offrent du shooting que l'armée n'a pratiquement pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Bon, mais je pense que Hagnar va rester roi encore, là, au moins jusqu'à un prochain livre. Celebron plus les nouveaux bataillons avec Morathi risque de monter en puissance. Ouais, c'est ça. Celebron aide déjà beaucoup avec un téléport, avec le -1 to hit contre le shooting d'Atit. C'est un choix assez techie qui peut devenir intéressant. Trop de tirs dans la méta. Ouais. Je pense que le tir va être un peu un problème encore, en tout cas pour les Daughters possiblement, ou même la magie encore, là. On a beau parler de tir, mais il faut penser aussi qu'il y a de la magie qui peut faire beaucoup de mortels en ce moment dans la méta. Puis ils n'ont pas grand défense, là, à moins que tu joues Morathi. Les autres, les Hack Queen, Chaudron sont un peu moins pires, mais ont beaucoup de wounds, mais peuvent être vulnérables là-dessus aussi, là. C'est pour ça que je dis que Celebron a donné plus de survivabilité versus le shooting. C'est sûr. Mais on perd beaucoup avec Celebron, c'est ça l'affaire. Je pense que les gens se sont rendus compte que oui, c'était intéressant Celebron, mais tu perds tellement versus Hagnar Que des fois, je pense qu'ils ont fait les calculs, ça valait pas tant la peine que ça. Je pense que Hagnar était beaucoup meilleur, un peu plus all-comer, capable de gérer pas mal plus de situations que juste Celebron. Mais bon. Ce qui va être vraiment cool, ça va être des armées de serpents. Voir sur la table Morathi avec plein de serpents, ça c'est ça va être vraiment nice. Les sculpts, les modèles des Melusai, puis même des harpies aussi, sont super beaux. Là. Fait que ça va être le fun au lieu de voir 3 paquets de 30 elfes à moitié nus qui ont du sang sur les mains. Puis je pense que ça va être. Quoique j'ai rien contre les armées de Witch Elf, mais les armées de serpents, ça look. Hein, ça titille un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me titille. Cool! Donc ça c'est pour. Ça, c'est pour Daughters of Khaine. On va passer à Cities of Sigmar. Les Free Cities. Donc, deux nouvelles cities pour les Cities of Sigmar. Donc ici, on dit tout simplement que au lieu de choisir une city du Battle Tome, on peut prendre une des deux cités ici, donc Misthåvn et Har Kuron. On dit ça prend un Cauldron pour le save buff, une prière, mais le truc de l'armée de serpent, c'est d'avoir un shrine ou une méduse à pied comme général. Et dernièrement, le shrine si tu veux jouer Hagnar pour Laura. Rendu là, reste plus beaucoup de points pour Morathi. Effectivement. Effectivement. Je pense que c'est un misstep ce qu'ils ont fait que Morathi ou la Melusai Iron Scale devrait débloquer les serpents comme Battleline. En ce moment, il y a juste la méduse qui le fait. Je pense que c'est une opportunité ratée d'avoir le nouveau héros serpent ou carrément Morathi débloquer les Melusai comme Battleline ou même les Harpies comme Battleline. Je pense que ça aurait déjà était plus facile après ça de faire fitter du stock dans votre armée, sachant que la battle line est facilement débloquée comme ça. Donc, dommage. Dommage. Donc, les cities. Avant qu'on embarque dans les cities en tant que telles, on nous a donné un beau bataillon. Le Kraet Shadow Host. Donc, Kraet qui est une sorceress on Black Dragon. Donc, ça nous prend la Sorceress, ça nous prend une unité de Dread Spear, une unité de Dark Shards. Puis, ça précise bien que le Black Dragon, là-dedans, la Sorceress, est un Unique Name Character. Donc, ils vont tous avoir soit le Anvilgard Keyword ou le Har Kuron Keyword. Donc, dans Hérophase, la Sorceress, elle peut déclarer qu'elle va compel her minions to attack savagely. Elle ajoute 1 aux attaques caractéristiques des weapons par les Dread Spear et les Dark Shards de ce bataillon. Mais on enlève 1 au save roll qui target ces units-là. Donc, ils trade off un de leurs saves pour une attaque. Je pense à des units qui sont assez glass cannon de toute façon à la base. Donc, pouvoir les avoir avec une attaque de plus, ça pourrait être intéressant. Ce qui est cool, c'est que, bien que ça mentionne que c'est un name character, elle va avoir un command trait propre à elle. Donc, elle a The Whisperers qui dit qu'au début de la First Hero Phase du premier Battle Round, un extra command point. Donc, un petit buff intéressant qui est mieux que rien. Parce que d'habitude, sur un name character, on n'a aucun command trait. Fait que déjà là, juste d'avoir un CP de plus, parfait. On va le prendre. Donc, ça, c'est le bataillon. On a-tu des joueurs de Cities of Sigmar dans le chat? Tellement de stock à faire avec une armée Cities of Sigmar. Misthåvn. Ah oui, on a my main man, Johnny. That's it. Qui joue les Cities. Donc, on a Misthåvn. Hell yeah! On a Misthåvn. Donc, ça doit être. L'armée doit être de Ulgu. Et au lieu de c'était de les units de Serpentine, Shadow Blade, Scourge Privateers, tout ça, avec jusqu'à 10 modèles, on peut plutôt les mettre sur le side et les laisser en réserve. Donc, ça c'est pour chaque unit de Darkling Coven, Free Guild, du Ardent Unit qu'on est déjà sur le Battlefield. À la fin de chacun de vos Moon of Phase, on peut setter une des units en flanking sur le Battlefield à plus de 9 pouces d'un ennemi unit. Et au début du 4e Battle Round, si vous n'avez pas amené vos units, elles sont détruites. Il y a tellement de possibilités que ça m'étourdit de faire une liste. Effectivement, il y a tellement de modèles. J'ai déjà une idée pour nommer Greywater, mais c'est in the works. Nice. Je suis mieux de voir des steam tanks là-dedans. Tu peux. Tu peux. Personne qui t'empêche. Alright. Les narcotiques. Donc, les Misthåvn, les héros vont avoir accès à des narcotiques qui sont basically comme des artefacts un peu qui vont être des one use qu'on va utiliser une fois dans le game. Là. Fait que vous allez choisir un narcotique sur la Dark Temptation Table, là, on va voir un peu plus loin. Puis chaque héros, dans le fond, pour chaque bataillon, vous pouvez avoir un narcotique de plus. Donc un peu comme les artefacts fonctionnent. Là. Ouais. Ok, je dois dire ça. Mais quelle épée va pas sortir son stock rendu au 4e tour? Des oublis, ça arrive. Je me rappelle d'un certain Gab, Foubar, qui avait oublié un Hunter et des Frosthound en réserve avant le 4e tour. Donc, ils avaient perdu. Ça, c'est toujours tannant un petit peu. Mais on le dit pas trop fort. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'avec le nouveau Cities of Sigmar, ils ont juste enlevé les canons. Ça aurait juste été parfait pour du Greywater. Ouais, c'est ça. Même sur leur artwork, il y a des canons. C'est juste pour te faire te teaser un petit peu, puis après ça, nope, ils sont pas là. Honnêtement, ils sont tellement oubliables, c'est vrai. Effectivement, c'était facilement oubliable. I'm teased! Donc, les narcotiques, on va les voir un peu plus loin. On a une common ability Shadow Strike. Donc, ça, c'est super intéressant parce qu'une unit Holy Within 12 d'un héros, elle peut move de D6. Puis ça, c'est après que vous ayez seté une de vos units qui flanque. Donc, elle peut arriver à 9 pouces d'un ennemi. Et si vous avez un héros qui est là, poup, il utilise une common ability, bouge de D6. Fait que là, ta charge à 9 pouces vient d'être réduite de D6. Ça commence à être super intéressant. Donc, ça peut être très cool pour avoir une armée Cities of Sigmar qui est un peu plus basée sur du Alpha Strike, ou peut-être au moins qu'il y a des éléments de Alpha Strike dans la liste. Fait que super intéressant. Common Traits. Je les lirai pas nécessairement tous. On a un 6-ward save. Ici, celui qui me saute aux yeux, c'est pas mal Shadow Lord. Donc, une fois par Battle Round, on peut utiliser le Shadow Strike Command Ability sans utiliser un Command Point. Donc, celui-là qui est ici, là, la Command Ability de la Cities. Donc, ça m'apparaît déjà bon. Comme je disais tantôt, n'importe quoi qui fait qu'on peut utiliser une commande sans payer un CP, c'est généralement assez fort. Là. Le reste parle plutôt de devenir un Wizard, mais pas terrible. Donc, on va aller voir justement les fameux narcotiques. Les fameux narcotiques. Trop d'Alpha Strike dans iOS. Diadeptus, bien sûr. Dit le joueur Caradron. Hein? Il essaie de couvrir ses arrières, ça c'est sûr et certain. Surprise Dreadlord on Black Dragon. Surprise, motherfucker. Le Dreadlord qui arrive à 9 pouces, qui fait bon, ben je vais avancer de D6. Ça peut être intéressant, surtout que avec le Common Trait, ça écoute à rien. Caradron de Close Combat, quand même. Ouais. Ça te donne une chance, mettons. Ok? On va dire que ça passe. On va dire que ça passe. A new mod. Oui, vous êtes rendu avec un mod de plus, Phil. Donc, vous pouvez vous dire bonjour. C'est Gab. Gab, c'est Phil. C'est-tu pas beau, ça? Deux mods qui se rencontrent pour la première fois sur le chat. Excellent. On est ici pour créer des liens, gang. Je suis là depuis 2 semaines. Ouais, mais Phil, il vient faire un tour des fois sur le chat, puis 90% du temps, il est sous. Fait que il va pas nécessairement se rappeler de tout, anyway. Fait que faut pas le prendre personnel, là. Exact. Donc, les fameux narcotiques, les Dark Temptations, vite de même, parmi les plus intéressants, on a un +1 to hit, qui peut être bon sur un héros qui se pop ça, par exemple, un Dreadlord on Black Dragon. On a aussi le Witch Mist, qui est basically être éthéré, donc ignorer les modifiers à nos saves. Donc, ça, c'est quand même assez sacoche. On a un heal de D6, pas pire. Donner fly. 4+, faire des 3 mortels. Vraiment pas terrible. Et s'ajouter 1 au casting. Assez situationnel. Donc, moi, je pense que le éthéré va être un gros choix. Puis le +1 to hit aussi pourrait être intéressant quand, justement, on fait un genre de alpha strike. Ben... le dragon qui se pop +1 to hit, ça peut devenir intéressant. Puis les roues, pas besoin d'être sous pour oublier. Puis bon, ça y est, le trash talk est parti dans le chat. On a des gros statements qui se font dans le chat. Et là là. Donc, beau petit buff au niveau des Dark Temptation, quand même cool. Puis on a les 3 artefacts normales, donc on a un +1 to save qui est quand même intéressant. Once per battle, on a une Gloom Bell et tout qui va venir donner un -1 to hit pour une phase de shooting, une fois dans le game. Donc, pour protéger contre le shooting, ça peut être assez bon aussi. C'est juste une fois, mais ça peut être une fois clé là, quand même. Fait que c'est pas pire. Puis ici, on a le Strangler News qui est juste super situationnel. Faut que tu roules un 6. If the roll 6 or is less than the target's wounds characteristic. Bon, il y a peut-être moyen de faire que c'est moins que le wounds characteristic si c'est un gros monstre. Peut pas attaquer, mais c'est une fois par phase aussi. Donc là, ça vient assez situationnel aussi. Je peux aller ailleurs, ça sort. La merde des poignées dans le chat. Héros pour un game, c'est pas. Boy the boy. Ça y est. Ça se passe. Donc, Misthåvn. Misthåvn, ça donne ça. Et on a Har Kuron après, qui vient remplacer... ben, remplacer. On peut prendre Anvilgard quand même, mais... spoiler alert, vient remplacer Anvilgard. Mais ça, on s'en doutait déjà un petit peu. Malheureusement. Bon. Et là là. Ok. On a-tu ça ici? Non. Les modérateurs sont débordés depuis Kev est là. Oh là là. Sont toujours débordés. C'est pour ça que j'ai rajouté Gab, modérateur. C'était pour ce genre de situation-là. Là. Quand le trash talk part. Là. Tu veux le tenter. Dans le fond, Kev parle pas depuis tantôt, mais c'est parce qu'il était time out. Ça fait 10 minutes au moins qu'il était time out. Ok. Har Kuron. Oh, boy. Har Kuron, donc une cité qui va nous laisser prendre des Daughters of Khaine. Donc, la Har Kuron Army ne peut pas utiliser les Ways of the Free People qu'on a dans le Battle Tome. Elle peut seulement avoir des units, donc les Dark Elves finalement. C'est les Darkling Covens, Order Serpentis, Scourge Privateers et Shadow Blades. L'armée doit être de Akshi. Et une in every 4 units des Har Kuron peuvent être une Daughters of Khaine Army. Donc, c'est vraiment la city. Si on veut jouer du Daughters of Khaine avec des Dark Elves, ça a quand même un assez bon fluff. Ça doit être assez cool à voir sur la table. comme les Dark Elf, contre les Dark Elf là, de la dernière fois. Enfin du gros valide qui va jouer contre. Bon, bon, bon. C'est facile les mots, c'est facile. Hein? Ouais, effectivement, c'est une bonne façon de faire revivre les Dark Elves of Old avec cette cité-là. C'est quand même assez intéressant pour ça. Donc, ils peuvent avoir une prière. Une unit va pouvoir être un priest avec le Incitement to Murder. Donc, un Unmodified Hit Roll va pouvoir devenir 2 hits finalement sur des 6. Fait qu'une prière assez intéressante. C'est sur un... Disperse Successful, ça doit être sur un 3+. On va le voir, j'imagine, plus tard. Comme une ability, choisir un héros et on peut immuniser Holy Within 18 au Battle Shock. Non, pas pire. Common Traits. Add 1 au General's Wounds et en plus elle peut healer de 1 dans la Hero Phase. Non. La Murder Prayer, comme si elle était un priest, donc elle peut l'utiliser 2 fois si elle le connaissait déjà. Ça devient intéressant, pouvoir buffer 2 units différentes, ou si on avait une unit qui n'était pas Daughters of Khaine, elle gagne le keyword priest, donc ça peut venir pas pire. Les Shadow Blade, c'est des High Elves. Ah ouais, on a des traits parmi nous, je savais pas ça. Ça, je savais pas. Ça, plus un Cold Round, plus 40 Witch Elf. Ouf! Puis Dark Adept qui rend ton général un Wizard. Pas terrible. Je pense pas que c'est celui-là qui vaut la peine. Je pense que le Murder Zeal ou peut-être même le Bait in Blood pourrait être intéressant, mais pouvoir casser 2 fois ta prière, je pense que ça devient assez pas pire. Assez pas pire, si je peux le dire comme ça. Artefact! In your shooting phase! Un genre de petit shooting à 36 pouces qui fait sur un 3+, une mortelle, sur un 6+ des 3. Ok. Subtract 1 from hit rolls par le shooting. Ça, c'est bon. Des friendly units holy within 12. Là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Protéger contre le shooting avec un moyen to hit. Et au début de Hero Phase, sur un 5+, recevoir un common point, c'est pas mauvais non plus. Mais je pense que le moyen to hit en shooting, ouais, ça a quand même assez d'allure. Les Shadow Blades sont Dark Elf, les Shadow Warriors sont High Elves. Ah! On y écoute l'épisode, savoir si les docs sont OP ou non. Si tu les vends ou pas. Kev me dit de faire l'épisode genre que les Daughters sont vraiment pas OP. Là. Puis après ça, il va te racheter tout ton stock. On voit déjà à travers son petit jeu. Au revirement de situation. Ouais, c'est ça, ils sont vendus, Kev les a achetés. Alright. Spell lore. Donc, on a des spells intéressants parce qu'ils ont gardé certains spells de Anvilgard. Basically, un des plus intéressants était le Vitriolic Spray. Donc, casting value de 8, mais tu choisis une enemy unit et son save devient dash. Donc, tu viens d'enlever le save complètement à une unit. Très, très, très fort comme spell. Archéon qui était sur un 1+, reroll ses saves dans Korn. Il est rendu à rien. Aucun save. Aucun save. Un sur 3 Shadowblade sont à Herbs. J'étais proche pareil. Tony qui me fait... Bon, bon, ça y est. Bon, je vais sur les amis, sauf que... Shut up, tu sais pas. Sap Strength, moins 1 to hit pour les units qui font attaque. Fait que tu peux juste enlever un moins 1 to hit à une unit qui est within 18 et Withering add 1 to wound rolls. Donc pouvoir buffer tes units peut être intéressant. Puis on a ici un autre spell pour pouvoir aller plus vite, pouvoir donner un fly, move characteristic de 16, où ça commence à être intéressant, ça va vite. Pit of Shades, Une enemy unit va rouler 2d6. Si le roll est plus grand que la unit move, elle souffre un nombre de mortels, mais pas terrible. Et puis finalement, Shadow Daggers. Tu peux faire des 6 mortels à 9 pouces. Bon. Fait que... Ça ressemble à ça. Je pense que Vitriol Spray est super intéressant. Il l'était déjà, mais il était pris derrière Anvilgard. Je pense que dans Har Kuron, on a des choses intéressantes pour faire marcher. Particulièrement avec ce spell-là. Des units qui ont beaucoup d'attaques, mais qui n'avaient pas de renne ou pas beaucoup de chance de faire du dégâts, tout d'un coup se retrouvent à avoir un potentiel de dégâts vraiment très fort contre n'importe quelle unit du jeu si on leur enlève leur save. Là. Fait que vraiment, vraiment très cool pour ça. Oups, on va revenir avant. Fait que ça fait le tour pour les cities. Misthåvn, Har Kuron. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est des cities assez intéressantes. Misthåvn ont un bon potentiel pour changer un peu comment les listes cities sont généralement jouées, qui sont beaucoup plus axées sur le shooting, sur la magie. Là, on a un aspect Alpha Strike qui vient d'arriver avec... avec Misthåvn, donc ça peut être vraiment cool aussi, d'autres combos qui peuvent être faits, particulièrement avec le Command Ability qui te move de D6 après ton Flanking Strike, ça peut être quand même assez cool. Har Kuron, assez intéressant, amener les units de Daughters dans le livre, bon, peut être cool, c'est sûr que les units de Daughters perdent beaucoup de leur survivability, qui se retrouvent dans leur livre à eux. Mais on leur donne ici d'autres, peut-être un rôle un peu plus différent, avec des tools un peu plus différents aussi, là, avec ce que peut-être le spell lore ou certaines units de cities vont pouvoir amener. D'après moi, il y a de quoi à faire avec les deux cities. Est-ce que ça va être... D'après moi, c'est viable. Est-ce que ça va être aussi fort, encore une fois, que les gros méchants du moment comme... Tempestai, on pense à Hollow Heart ou même Living City. Ça va être dur à dire, mais je pense que ça va être intéressant. C'est sûr qu'avec Har Kuron, on est un peu plus limité dans notre choix parce qu'on peut juste prendre basically les Dark Elves. Mais pour ce qui est de Misthåvn, on n'est pas tant restreint. C'est juste certaines units qui sont restreintes pour le Flanking Strike. Mais sinon, après ça, du Darkling Coven, Free Guild, du Hardin, on vient d'aller rechercher tout le reste du livre. Fait qu'on a vraiment accès à beaucoup, beaucoup de units différentes encore une fois pour pouvoir jouer dans Misthåvn. Donc, super cool de ce côté-là. Yep. Stormcast. Stormcast. Donc, un peu weird ce qu'on a eu pour Stormcast. Un peu particulier, je sais que Torgnar est là dans le chat qui espérait avoir un peu mieux pour Stormcast, mais bon, on a eu, on peut pas dire que c'est quelque chose de... Je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent, je pense que c'est intéressant, tout au moins. Est-ce que c'est le gros power spike qu'on espérait pour Stormcast? Dur à dire, en tout cas Stormkeep, dur à dire, c'est sûr que ça amène beaucoup de variété, là, on va voir, là. Saline qui dit tu prends plein de petits teams de Dark Shard, ça te donne du range, 1 sur 4 devient des Daughters of Khaine, ça te prend 8 teams pour avoir un Cauldron, plus une team de Witchef, après ça il y a une spell, le reste protège les Witchef et elles sont à job. Tu vois, je le crois ça, je pense qu'il y a de quoi à faire aussi, vu qu'on a tellement d'options, là, je pense que c'est viable. Mais peut-être qu'il va falloir travailler un peu plus, là, surtout au niveau des units Daughters of Khaine. Je pense qu'il va falloir peut-être les protéger un peu mieux. C'est un peu plus dur. La Storm Deception. Ouais. Free Gilgar plus Liberator meurt pas. Ouais. Ça va être cool, ça. Tu peux prendre Morathi aussi, hein? Tu pourrais amener Morathi dans Har Kuron? Parce que s'il n'y a pas de restriction de points, donc c'est juste... One in every 4 units peut être. Donc tu pourrais amener Morathi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'amener 600 points de Morathi qui buff les Melusai? Probablement pas, mais ça serait très cool. Donc, Stormkeep. Basically, si vous voulez jouer Stormkeep, il faut sacrer dehors les Battle Traits que vous aviez dans le livre Stormcast. Donc, pas d'histoire de tomber des cieux ou ce qu'on veut. Ça, c'est parti. Vous gagnez plutôt ces Battle Traits ici, là, Celestial Sentinels. Donc, on a encore accès à toutes les keywords pour pouvoir ensuite prendre une sous-faction. Mais on n'aura pas tout ce qui était dans le... il mentionne à quelque part, là, je pense que c'est Lords of the Storm ou quelque chose comme ça. Là. Instead of the Legends of the Living Tempest. Bon, j'étais quand même assez loin. Donc, c'est ça. Ça remplace les Battle Traits de Legends of the Living Tempest. On devient plutôt une Stormkeep. À 3000 points, j'achète. Donc, on a accès à nos sous-factions qu'on avait déjà dans le livre. Shield of Civilization, basically, on a +1 au Bravery Characteristic des Stormcast Units quand ils sont Holy Within Those de n'importe quel Friendly Liberator Units. Donc, les Libérateurs viennent ajouter un bravo. En plus de ça, à la fin d'un move, on peut choisir une Unit Liberator qui n'a pas move et qui n'ont pas été set up dans la phase et dire qu'ils vont stand fast. Donc, jusqu'au prochain... notre prochain movement phase, donc ça peut même faire 2 combats ou peut-être plus. On peut ajouter 1 à leur save et 1 à leur hit roll. Donc on essaie de buffer un peu plus les Liberators, qu'on sait qu'ils ont eu une petite réduction de points avec le General's Handbook. Ouais, +1 de Bravery, c'est pas terrible. Par contre, un gros bloc de Liberator gagne +1 de save, +1 to hit, ça commence à être intéressant. Est-ce que ça bat vraiment, encore une fois, nos autres units comme les Sequiters? Tu vas dire, qui peuvent reroller leur save, là. Mais oui, voir des gros blocs de Liberator, c'est qui coûte moins cher, hein, avec 90 points pour 5. Ton gros bloc de Liberator te coûte pas si cher que ça maintenant, fait que ça peut être popé. Et la grosse règle, finalement, de Stormkeep, c'est les Mortal Auxiliaries. Donc, c'est comme un peu Cities of Sigmar, mais à l'inverse. Une dans chaque 4 units d'un Stormkeep Army peuvent être une Cities of Sigmar unit. Donc on leur ajoute un de Bravery quand ils sont Holy Within Those, une Liberator unit. Et en plus, pour une Commandability qui fait partie du Battle Tome, on peut les traiter comme s'ils étaient des Stormcast Eternal unit. Ouais, c'est ça, ça vient 3+, 3+, -1. Ça commence à être intéressant comme profil. Là. Puis ici, ils viennent préciser qu'on peut pas prendre une Cities of Sigmar unit puis faire une commande sur une Stormcast Eternal unit. C'est vraiment juste Stormcast fait une commande sur un Cities of Sigmar unit. La tendance à buffer la Bravery laisse présager une plus grande interaction avec cette stat-là dans les livres à venir. Exemple dans les lunettes avec le catalogue. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que si une 3e édition s'en vient, je pense qu'il va y avoir un revamp du système de Battle Shock, du système de Bravo, possiblement. Ou en tout cas, on en a probablement besoin. Là. Battle Shock s'est rendu pratiquement une joke maintenant. C'est rare qu'on fait des Battle Shock dans nos games, mais bon. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient par rapport à ça aussi. Je suis d'accord, ouais. Tu peux les drop à +1 de save en combo. Fait que ça devient tough, là, un bloc de Liberators, là, avec les bonnes habiletés, là, effectivement. Ça devient intéressant. Puis là, ben c'est ça. Une unit sur 4 cities, ça vient de nous ouvrir une panoplie de choix. Tellement de War Scroll dans ce livre-là, ça va être dur de tout de suite de voir tout de suite qu'est-ce qui va bénéficier beaucoup de certaines commandabilities Stormcast. On pense tout de suite à un gros bloc de Iron Drakes qui peuvent shooter 2 fois possiblement à cause de Anvils of the Elden Hammer avec la commandability de shotter dans la Hero Phase. Donc là, ça commence à être dégueulasse un peu. Je pense que si on amène un bloc de Iron Drakes, on amène un Rune Lord, je pense qu'il y a du dégât qui peuvent être faits là. Ils n'ont pas le keyword de la sous-faction par contre. Est-ce que la commandability a besoin du keyword? Probablement. T'as peut-être raison, Gab. pas sûr, mais il me semble que le keyword peut pas être donné aussi. Ouais, je pense que vous avez raison. Je suis en train de m'exciter pour rien, probablement. Non, c'est ça, ça prend le keyword quand même. Puis ça dit pas qu'ils vont gagner le keyword. Ça dit juste qu'ils bénéficient de command abilities. Ok, on vient de sacrer ça au vidange. Fait qu'ils pourront juste bénéficier des commandes qui précisent pas que ça prend un keyword. Donc généralement, ça va être les command abilities sur les War Scrolls. Sur les War Scrolls de certains héros Stormcast, basically. Donc ça va pas mal être plus ça. Pour ça que ça soque, sinon c'était OP. Effectivement, ça aurait été assez fort. Ça aurait été assez fort. Là, tu peux avoir des units de City, yeah, fine, comme avant en allié, à part Stange Defender pour trouver de quoi de nice. Là. Pas trouver de quoi de nice, ouais. On va voir, il y a peut-être des combos intéressants, comme on dit tantôt. C'est quoi? C'est combien de War Scrolls City? C'est 100 et plus War Scrolls, je pense. C'est beaucoup, beaucoup de War Scrolls. Là. Non, peut-être pas 100, j'exagère, mais... il y a tellement de War Scrolls là-dedans, il y a peut-être des combos qu'on n'a vraiment aucune idée qui pourraient être intéressants. Là. Fait que j'ai hâte de voir des gens jouer Stormkeep, des gens jouer avec ces Battle Traits-là, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Ça peut être intéressant. Pour des gens qui possèdent déjà les deux armées, ça, je pense déjà à my main man Jean-Nicolas qui a déjà les deux armées chez lui. Donc ça peut être intéressant d'essayer une petite game avec du Cities. Wink wink! That's it, that's it. J'en profite, guys. Il y a peut-être du monde qui sont là dans le chat qui n'était pas là au début du show. On a nos concours, Paint to Glory. Donc, vous pouvez faire point d'exclamation Paint to Glory. Et j'ai aussi un sub-goal de 15. Si on se rend à 15 subscribers, on va faire un tirage, une carte cadeau de 30$. Et on a annoncé le Home Hammer. Donc, pour tous les détails du tournoi Home Hammer, tournoi Age of Sigmar sur TTS, vous pouvez faire le point d'exclamation Home Hammer. C'était mon petit moment sell-out, encore une fois. 30 Phoenix Guard, ça se prend toujours bien, ouais. Il y a peut-être des command abilities qui peuvent être intéressantes sur des Phoenix Guard. Donc, ça, c'est les Battle Traits. On a maintenant des nouveaux bataillons. Donc, Wardens of the Stormkeep, un Lord Celestant, 2 à 5 Stormcast Eternal Heroes. This battalion can only be included in a Stormkeep. Et elle ne peut pas avoir aucun monstre, donc bye bye le Stardrake. Bye bye Aventis Firestrike. Je pense qu'elle est un... Je pense que la monture est un monstre. Bonne question. Donc, Watchful Commanders, au début de la première Hero Phase, roulez 1 dé pour chaque héros du bataillon. On ajoute 3 si le héros est le général. Et sur un 5+, vous recevez un Command Point. Donc, si on le max, ça fait 6 héros. Chaque héros sur un 5+ te donne un Command Point. Dans ta première Hero Phase. Et c'est sur un 2+ pour ton général. La garnison refresh les vieux OG models, j'aime beaucoup. Ouais, ça peut être intéressant. On va regarder la Storm Tower Garrison. Fait que des CP de plus. Est-ce que ça vaut la peine vraiment comme bataillon d'aller chercher tout ça ici? Ça fait beaucoup de héros. Est-ce qu'on veut jouer autant de héros que ça? On peut-tu prendre le bataillon sans prendre cette allégeance-là? Je ne pense pas. C'est clairement dit, ce bataillon peut être seulement inclus dans un Stormkeep Army. Donc, c'est obligé d'être avec les Battle Traits qu'on vient de voir. En fait, les 3 bataillons ici sont obligés d'être dans une Stormkeep Army. Donc, c'est ça. Storm Tower Garrison. À 60 points dans une shoot cast list, ça aurait été intéressant. Ouais, c'est ça, il est vraiment pas cher, lui. Ça aurait pu être cool, effectivement. Un Night Vexler, 2 à 4 Liberator units. 1 à 2 Paladin units. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces dudes-là. Justicar units, si je me trompe pas, c'est les anges, là. C'est ceux qui ont les ailes, là. Mon Dieu, comment ils s'appellent? Prosecutors. Prosecutors, c'est ça. Il me semble que c'est eux autres, les Justicar units. Ça dit que tu as pratiquement 1 CP par tour et tu as jusqu'à 3 CP minimum par tour, jusqu'à 6. C'est 300 points de CP à chaque tour possible. Non. C'est seulement la première Hero Phase, at the start of your first Hero Phase. Donc ça se répète pas. Ça se répète pas à tous les tours, sinon ça aurait été vraiment, vraiment très bon, là. Mais c'est vraiment juste une fois dans le game que ça va se passer. Donc, c'est ça. Ça se passe juste une fois. Storm Tower Garrison. Donc, on a, comme Jean-Nicolas disait, c'est ça. Les Justicars, c'est les Judicators. Ah, bon. Je pensais que c'était les Prosecutors, là, tout ça. Les Paladins et Justicar Units du bataillon qui sont Holy Within 12 des Liberators peuvent utiliser le Shield of Civilization Battle Trait to stand fast in the same manner as Liberators Unit. Fait que là, tes grosses Paladin Units qui sont tough à tuer, tu peux utiliser le Shield of Civilization. Ça veut dire que tu peux leur donner un plus 1 to hit, plus 1 de save. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ouais, comme tu dis, là, pour 60 points, effectivement, là, ça t'enlève 6 drops. Tu vas chercher des CP. Effectivement, ça peut être pas pire. Donc, plus un CP pour le bataillon aussi, ouais, c'est vrai. Place tes Arrow Boys derrière une ligne de Liberator, pretty nice. C'est un bataillon pour des units qu'on joue pas. Ouais. Mais là, on a une autre façon de les jouer, peut-être. C'est sûr qu'on allait avoir des choses pour des units qui sont mal aimées ces temps-ci, là, tu sais. On s'attend pas à ce qu'il y ait plus, en tout cas, ça aurait été stupide qu'il y ait plus de bataillons, genre pour... tout ce qui est sacro-saint. Je pense que le but du livre, c'était vraiment de ramener un peu, d'essayer d'aider un peu les plus vieux units. C'est la Warrior Chamber, là, ces units-là, là, du début de Stormcast. Là. Donc, hello Sophie. Mais c'est pas des longs crossbows, ouais, c'est sûr. Et la Stormkeep Patrol. Avec le Lord Veritant, Griffhounds, Redeemer ou Justicar Units. Un Deep Strike, basically. On peut enlever les units du bataillon et les striker à 9 pouces avec le Lord Veritant. Holy Within 12 du Lord Veritant, finalement. Ouais. Correct. Mais The Redeemer, tu t'as perdu ton Deep Strike que t'avais avec l'autre allégeance, la première allégeance Stormcast. Là, c'est une autre manière de venir la rechercher un peu, mais c'est juste pour toutes les units de ce bataillon-là seulement. Est-ce que ça a vraiment une grosse utilité? Stormkick combo, Lord of Donator plus Hellstorm Rocket Battery. Sans les griffes, ça aurait été bien. C'est pas... La Griffon ne vient pas de base avec le Lord Veritant, ou je me trompe de héros? C'est un autre unit de Griffon. C'est un autre héros qui a une unit de Griffon gratuit qui vient avec lui, je pense. Hein? Ça doit pas être le Lord Veritant. Le Lord Veritant, c'est le pape. C'est le pape Stormcast, dans le fond. Là. Je dis pas n'importe quoi, là. Je vais vérifier, ouais. New window. Lord Veritant. Il vient de base, mais je pense que tu dois payer pour lui du bataillon. Ah ouais? Bonne question. Un Lord Veritant. Est-ce que ça le dit dans son War Scroll? Est-ce qu'on a la réponse dans son War Scroll? Ah ouais, ok, parce que c'est Summon, hein? Là, je l'ai pris en français, malheureusement. Canada, anglais... C'est un Summon. You can call a Griffhound unit consisting of a single model and add it to your army. Ouais, fait que c'est ça. Ce Griffhound-là fera pas partie du bataillon parce qu'il est summoné. Il est pas dans le list building. Fait que c'est un autre. C'est un autre dans le fond. Ok, fait qu'effectivement, il faut payer au moins pour une unit de Griffhounds. Ouais. C'est un peu plus plate, je pense. Il y en summonant avec lui, mais si on check le bataillon, fait exact, exact. Oh, oui, c'est ça, je suis d'accord. Donc, la Griffhound unit, ça prend une unit de Griffhounds. Fait que tu vas avoir ta unit de Griffhound, puis tu vas en avoir un autre proche du Lord Veritant. Fait que... Malheureusement, il y a de quoi qui aurait pu être fait avec ça, mais bon. Le War Scroll de Venbret. Venbret. Donc, on a le Lord Veritant. C'est un peu la même sorte de... bataillon, sauf que là on a une à deux unités de Judicators et une unité de Castigator. Dans le même principe, le Lord Veritant est un named character, mais il a accès à une command trait avec son habilité General Sanction. On peut utiliser une unité Chaos ou Death Heroes au lieu d'un Enemy Wizard, et en plus on ajoute un Hit Roll si ça target un Vampire avec ce général-là. Bon, tel que tel. Par contre, l'habilité du bataillon, c'est que c'est un peu comme l'autre bataillon finalement, mais c'est pour ce name character là. C'est le même principe, c'est le Deep Strike qu'on a vu dessus l'autre page avant. Prendre les units, les remove et les remettre Holy Within 12 du Lord Veritant. Sauf que là on a un peu plus de shooting dans la liste. On a les Castigators. On a une à deux units de Judicators. Je sais pas, c'est pas... hein? Pas terrible. J'ai pas l'impression que c'est terrible. Ouf! On est rendu au good stuff. Déjà 9h20, c'est pas grave. On power through. Fait que Stormcast, je pense que ce qui est le plus trippant, ça va être de voir qu'est-ce que les gens vont être capables de faire avec les units de Cities of Sigmar. C'est plate qu'effectivement, ça va prendre des units d'un autre livre pour venir aider le livre des Stormcast, mais je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on aille un nouveau livre Stormcast, possiblement avec le release de 3.0. Donc pour l'instant, il va falloir y aller avec ça, mais je pense que ça vient rajouter au moins pas mal d'options. Puis il y a peut-être de quoi à faire avec des blocs de 20 Liberators, là, avec l'habilité, ou même d'aller chercher le bataillon pour rendre des Paladins encore plus tanky, encore plus de damage sur les Paladins unit. Là. Moi, c'est ce qui m'a accroché un peu plus là, du bataillon. C'est ça. En fait, la question, c'est veux-tu perdre ton Deep Strike? C'est ça. Basically, il faut que tu choisisses. Pour avoir des blocs de Liberators et pour avoir accès aux units de Cities. Est-ce que c'est le trade que tu veux faire? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que je veux avoir mon Deep Strike, mais juste jouer Stormcast? Ou si je veux aller chercher des units de Cities of Sigmar, puis peut-être buffer plus des blocs de Liberators? C'est la question qu'il faut se poser. Alright. On passe immédiatement au Idoneth Deepkin. Les grands gagnants du livre. Assez solide. Assez solide. Je pense que c'est... En tout cas... Moi, je trouve que c'est vraiment la faction qui a bénéficié le plus de Broken Realms. Donc, Deepkin, on commence les Stormcast avec des Steam Tanks. Ça pourrait être nice, ça. Je connais quelqu'un qui pourrait faire ça facilement. Donc, Deepkin, on vient nous rajouter des Mount Traits. Donc, on précise que des héros qui sont sur des Deep Mare, donc les Killian King, peut avoir un Mount Trait. Puis, sur la table ici. Donc, add one to attack, subtract one from hit rolls, qui est super bon. Puis, faire des mortels. Donc, le premier, c'est faire des mortels de D6 au lieu de D3. Avec l'habilité. Hein? Plus un d'attaque, c'est pas terrible. Tu veux pas nécessairement ton Killian King en combat. Mais le Void Chill Darkness, oui monsieur. Moins 1 to 8 des units within 3 pouces. Là, tu viens protéger ton héros comme du monde. Super intéressant pour un Killian King. Et les Leviathans. Oh baby. Les Leviathans vont avoir le droit à un Mount Trait aussi. Donc, en ont 3 ici. Plus intéressant d'après moi est le... changer le rend de 1 pour du rend de 0. Et comme on va voir plus tard avec leur nouveau War Scroll, les Leviathans sont rendus très tanky. Donc si en plus on vient rajouter ignore le rend de 1, ouf, ça s'en vient spicy. Sinon aussi on a un plus 1 au nombre de mortels qu'on fait sur une charge. Bon. Je pense que le Ren est déjà plus intéressant. Et augmenter le range du Void Drum Ability de 12 pouces à 15 pouces, ça serait probablement mon deuxième choix. L'habilité est bonne. Est-ce qu'on voudrait vraiment faire rentrer plus de stock en dessous? Peut-être, mais à chaque fois qu'on regarde les deux autres, il faut se dire qu'on passe ignorer le render. Puis c'est dur à passer. C'est très 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 dur à passer. Je pense que c'est le grand gagnant pour le Mount Trait. On va voir ça assez souvent. Ancient, là. J'aurais préféré réduire le rend de 1. Ça aurait été encore mieux, oui, mais je pense que juste changer le rend de 1 à 0, ça fait du sens. Tu sais, il y a quand même une faiblesse où ce que tu dis, bon, ben, si je pogne quelqu'un qui a du rend beaucoup, 2 de rend, 3 de rend, ben là, il va pouvoir effectivement passer plus au travers parce que la Turtle commence quand même avec un 2 plus de save, là, donc ça prend du rend pour passer au travers, là, où ça va être des Mortal Wounds. Fuck les Blight Kings. salut, Syphilis. Hello. Fait que ça, c'est ça pour le Leviathan. Les Mount Traits sont ici, donc des petits buffs assez intéressants. Cool d'avoir rajouté ça qu'il n'y avait pas dans le livre. On est à la hotness. Une des hotness de l'heure, les requins. Les Achillean Alopex qui ont eu un War Scroll modifié. Donc, bouge de 14. 8 wounds sur un 4 plus save. Leur weapon est rendu avec du rend, si je ne me trompe pas. Puis un plus une attaque aussi. Et leur net à 18 pouces. La grosse affaire des requins en ce moment, c'est leur net. À 18 pouces... un requin va faire Entangle dans le fond. C'est que dès que tu es hité par le filet, il y a juste une attaque par contre, c'est sur un 3+, mais dès que tu réussis à te faire hiter, ta unit ne peut pas piliner. Ne peut pas faire un pile-in move dans le même tour. Donc là, ça vient tellement mettre un gros problème pour les armées, particulièrement de hordes. Les armées qui ont beaucoup de modèles, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de range à leurs attaques, qui n'ont pas des 2 pouces ou des 3 pouces de range pour leurs attaques de mêlée. Si c'est une armée de horde avec juste 1 pouce d'attaque, tu peux facilement dire, bon ben ok, je shoot cette unit-là, elle ne peut pas pile-in. Et après ça, ben, y a moyen d'aller gamer un peu avec ça, de peut-être faire charger le requin sur un coin de la unit. Et là, toute la unit est jamais là parce qu'elle ne peut pas pile-in. Il y a juste quelques modèles peut-être qui vont pouvoir attaquer le requin. That's it. Fait que ta unit est pris là. À son tour, il va peut-être être obligé lui-même de retraiter. Ou s'il veut commencer à pile-in, il part de loin, mettons. Fait que c'est super bon. C'est sûr que ça va être moins intéressant contre tout ce qui est monstre, là, ou unit peut-être un peu plus élite. Que le pile-in, ça leur dérange peut-être moins, vu qu'ils ont moins de modèles, mais c'est vraiment une très bonne habilité, là. Puis ici, ben, on ajoute un à leur attaque caractéristique s'ils sont en dedans 3 pouces d'ennemis modèles qui ont des wounds d'allocated parce qu'ils sentent le sang. Donc, requins viennent de vraiment trouver une utilité, une très bonne utilité dans toutes les listes. Là. Ça va être intéressant de voir ces modèles-là sur la table, pas juste pour le meme. Là. Les requins sont rendus bons. Oups, on l'a perdu ici. Donc, on se garde le Leviathan pour la fin. On est rendu au... les Eidolons. Les deux Eidolons ont le droit à un nouveau War Scroll. Ah oui, PL précise aussi, c'est vrai. J'ai oublié de le dire. Les Achillean Alopex, les requins ne sont plus des monsters. J'ai pas le bas du... du War Scroll, là, mais ce ne sont plus des monsters. Donc, ils peuvent bénéficier du cover. Fait que ça peut être intéressant aussi pour ça. Ils peuvent avoir un cover. Plus un de save. Donc, le Aspect of the Storm, ils ont changé quelques habilités. Dans le fond, basically, ce qu'il faut retenir du Aspect of the Storm, ce qu'il va pouvoir faire, c'est... se healer des 3 wounds et s'il est chargé, il a plus une attaque et à son dommage de sa spear. Donc la spear se pogne à 5 attaques et va faire 3 de dégâts. Il peut encore retreat and charge. Une habilité ici qui va être un peu plus une genre de buff piece si on veut. Plus 1 to wound rolls pour toutes les Idoneth Deepkin Holy Within 18 de ce modèle-là. Donc là, on sacre un Eidolon of Matlan en plein milieu. Toutes tes autres units de heals, tes requins, ou même tes trolls. Non, les trolls, puis les reavers. Les reavers sont ceux avec les bows. Les bow and arrow, ils vont pouvoir avoir un plus 1 to wound. Super intéressant. À part ça, je pense pas qu'il y avait rien de particulier de changeant en tant que tel. Je pense pas effectivement qu'on va les voir. Je pense qu'on va les voir plus que ce qu'on les voyait pas pantoute dans le fond. Puis c'est un shame parce que c'est tellement des beaux modèles. Là. Je pense qu'on va les voir un petit peu plus. Mais ça va être un ou l'autre. Puis ça va surtout être pour buffer l'armée. Avoir un héros capable d'être assez rapide. De pouvoir attaquer un peu. Retreat and charge, là c'est intéressant aussi. Là. Fait que je pense qu'ils ont ajusté les points aussi qu'on va voir à la fin. Là. Fait que ça, c'est pour l'Aspect of the Storm. On a aussi le Aspect of the Sea. Oups. Aspect of the Sea, qui lui aussi, je pense qu'il a été changé sur un 3+ de save. Avant, je pense qu'il y avait un 4+, celui-là. Basically, les mêmes spells qu'il y avait. Puis les spells étaient intéressants, là, parce que tu pouvais choisir jusqu'à ici, là. Tsunami of Terror, c'est D6 enemy unit within 12 du caster. Tu leur enlèves un tweet, puis un à leur bravo. Fait que quand même. C'est quoi leur keyword? Ils ont le keyword héros. Puis wizard, mais ils ont pas... c'est pas des monsters. Donc, même chose pour l'autre, là. C'est juste remplacer Aspect of the Sea par Aspect of the Storm. Ouais, c'est pas des monstres non plus. Donc, Lookout Sir, effectivement. Fait qu'ils peuvent avoir un moyen to hit au shooting. Ça peut être cool, ça aussi. Absolument. Habilité ici, plus 3 de bravoure à toutes les Idoneth Deepkin Unit Holy Within 18. C'est pas un plus 1 to wound, mais bon, ça, 3 de bravoure, c'est quand même pas mal. Là. Ça peut empêcher des petites pertes de bravoure, surtout mettons sur des units de heals ou de requins même. Là. Et cover autour 1 et 5, je crois. Ouais, vu qu'à cause de ça, ils vont pouvoir bénéficier du cover, effectivement. Ils ont changé aussi la Dormant Energies Ability. Donc là, on a un choix. Là. On peut rerouler un casting, dispelling, unbinding pour le modèle. Et si on ne fait pas ça, il va healer de D3 wounds dans la phase. Donc on a un peu un choix à faire pour les Dolan. Fait que c'est pas mauvais. Il y a des bons spells. L'autre spell, c'est un healing. Tu as le choix de targeter une friendly unit pour la healer. Targeter une enemy unit pour lui faire des mortels. Mais... l'autre est intéressant. L'Aspect of the Storm est intéressant avec son plus 1 to wound. Là. Ça pourrait être pas mauvais. On arrive au Big Boy. Big Boy Leviathan. Donc là, Là, on parle. Là, on jase, là. Le Viadon, 16 wounds, 10 de move. Donc, son move a été changé. Avant, le move dégradait. Maintenant, c'est un flat 10. Je pense qu'il commençait à 12 avant, mais là, maintenant, c'est juste un flat 10 tout le temps. Commence avec un 2 plus save qui dégrade. Et aussi, on voit que Games Workshop commence à savoir comment faire des monstres, parce que là, son save ne dégrade pas avant la 9e wound prise. C'est plus du 0 à 3, puis 4 à 6, puis blablabla, là. Ça prend vraiment 9 wounds pour que son save dégrade. Fait que c'est déjà pas mal plus intéressant. Donc, les attaques sont restées relativement pareilles. Je pense qu'il a gagné une attaque de plus pour chaque patente. Là, basically, dans le fond, il est rendu à 8 attaques au lieu de 6 pour les Harpoon Launchers. Puis je me demande s'il n'a pas gagné le Rend aussi. Fait penser au Bastiladon, ouais, c'est un peu le même principe du save dégradant. Je pense que c'est la première unit dans le jeu qui commence avec un 2+ de save. Je pense que le Bastiladon, lui, commençait avec un 1+. Puis à part ça, le plus bas qu'on avait, c'était du 3+. Je pense que c'est la première unit qui a un 2+ de save. En tout cas, il n'y a pas d'autres units qui me viennent à l'esprit qui ont un 2+ de save dans le jeu. C'est une première. On se fera une game bientôt sur TTS avec mes Deepkin. Ouais, je suis down. On va essayer ça. Malheureusement. Donc, son habilité de charge qu'on a parlé tantôt. Jaws of Death, c'est sensiblement pareil. Il peut faire des mortels sur ses jaws, puis il va pouvoir... bon, c'est ça, il fait des mortels. Si c'est un monstre, il fait 6 mortels au lieu de faire 3 mortels. Là. Fait que c'est Jaws of Death. Ici, il y a 2 attaques. Ça commence sur du 2-2, moins 2-3. Puis là, il peut faire des mortels. Et le Void Drum va ajouter plus 1 de save à toutes les Idoneth Deepkin avec des wound caractéristiques de 8 ou moins. Donc là, ça a été un peu changé la façon que ça fonctionne. Lui, il ne peut pas en bénéficier, mais ils l'ont mis sur un 2+ de save. On ajoute aussi un OH Roll pour tous les Namarti units qui target un enemy unit wholly within 12 d'un Leviathan. Donc, si tu charges ton Leviathan dans le tas, ben, toutes tes Namarti units qui target des units proches vont pouvoir avoir plus un to OH Roll. Ça peut être intéressant pour les archers. Mais... le Leviathan, 2+ de save, possiblement ignore le Rend de 1. Tu pourrais y mettre reroll, tu pourrais y mettre Mystic Shield dessus. Est-ce qu'il y a d'autres façons de buffer son save à part ça? Tu sais, avec le bateau, il va avoir le 6+ invu, 6+ ward save quand il est proche du bateau. Ça commence à être tanky. Ça commence à être très tanky, là. Fait que ça, c'est super bon. Le Viadon est vraiment sa coche. La liste du Achillean Core là, a vraiment pris un gros up là, avec des heals, des requins puis un Leviathan. Ouf! Là, ça s'en vient intéressant. Puis le bataillon qu'on a vu en preview un peu. Là, le Achillean King à l'Apex, il gagne un Common Trait. Il y a le Lord of Storm and Sea Common Trait du Battle Tome. Puis plus 1 Witch Rolls pour les Alapex Unit avec leurs Barbed Hooks and Blades. Puis on roule un dé aussi. Dans le fond, on peut transférer des Wounds du King au Alapex. Fait que ça peut être intéressant pour protéger le Achillean King. Je pense pas que c'est un bataillon qui va être super joué. Je pense qu'il y a des meilleurs bataillons dans le livre. Là. Mais si on veut absolument protéger le King, c'est la meilleure façon de le faire, effectivement. Là. Fait que peut-être qu'on va l'avoir aussi sur la table. Oui, merci, Céline. Le Killing King peut être remplacé par le Volturnos, comme on a mentionné la semaine passée, parce que effectivement, Nematar, the Killing King from this battle, unique name character, must be from the Iron Clan. Ouh, je suis pas certain finalement. Un Achillean King Nematar, parce que là on remplace son nom, on dit que c'est un name character, fait qu'il peut pas être Volturnos, right? Ouais, c'est ça, c'est un unique character. La semaine passée on pensait que oui, parce qu'on voyait juste le keyword Achillean King, fait qu'on se disait bon ben Volturnos va pouvoir être pris là-dedans aussi, mais finalement non, c'est juste, il devient Nematar, fait qu'il peut pas être deux name character à la fois, fait que ça c'est non. Triste bataillon d'IPL. Devrait juste enlever les boîtes de Namartitral des tablettes rendues. Ouais. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est très dommage. Ouais, fait que c'est ça pour le bataillon. Fait que Deepkin sur la coche. Deepkin, là, Leviathan, même les Eudolons, super, au moins, on sait un peu plus ce qu'ils font, ils valent plus la peine. Puis les requins, ouf! Requins puis Leviathan, ouf! Ça coche. De toute façon, le bataillon se joue juste dans un enclave que personne ne joue. Ah, Iron Rack. Ben, c'est pas vrai, on le voyait, là, Iron Rack, quand même, là. On le voyait jouer quand même. C'est sûr que c'est pas probablement pas celui qui performe le plus, là. Mais on le voyait dans certaines listes quand même à l'international. Mais j'avais même pas vu qu'il était locked dans le Iron Rack Enclave. Fait que encore là, ça vient de te mettre une restriction supplémentaire. Dernière faction, guys. On power through. Slaves to Darkness, les Idolaters, donc on vient de rajouter une légion, là, une Damned Legion, là, comme Ravagers ou Kabbalistes ou Despoilers. Mais là, on en a une nouvelle qui s'appelle les Idolaters. Donc, basically, c'est une gang de fanatiques qui vénèrent les dieux et qu'on vient mettre un peu d'emphase sur les prières et c'est sur les warbands, les cultistes. Donc, on a +1 aux Prayer Rolls des Priests. Et toutes les units avec le Priest Keyword ont aussi le Leader Battlefield Roll. Donc ça, c'est particulier parce que ça donne Leader Battlefield à, par exemple, la War Shrine. Mais la War Shrine n'a pas le Hero Keyword. Fait qu'elle peut pas non plus être ton général. Elle pourra pas être ton général de toute façon parce que ça prend le Hero Keyword. Tout ce que ça change, c'est que... ça vient être limité dans ton nombre de héros parce qu'elle aussi, elle a le leader keyword. Puis, certains, je pense qu'il y a certains battle plans que le leader keyword, là, ça t'empêche de brûler ou tu fais des points supplémentaires avec un leader. Donc, il y a peut-être ça qui va s'appliquer aussi, là. Les Idolaters Cultists, donc ça, c'est toutes les warbands de Warcry, ont le Battle Line Battlefield Roll. OK. En plus de ça, lorsqu'on fait un charge roll avec un cultist unit, on change le plus petit dé pour un 6. Puis si c'est un double, un des deux devient un 6. Donc c'est la unit de charge des maraudeurs, qui est une excellente règle. Ça devient assez intéressant là, quand on y pense. Les Iron Golems, c'est 70 points pour 11 wounds. Qui rerollent leur save s'ils n'ont pas chargé, je pense, ou s'ils n'ont pas bougé. Et qui vont pouvoir charger. Ça fait quoi? Ça fait un plus. Minimum 7 pouces. Minimum 7 pouces. Fait que c'est plate à dire, mais ça devient. Si on les joue là-dedans, ça devient strictement meilleur que des Chaos Warriors. Strictement meilleur. Au niveau des points, puis au niveau des habiletés. Puis meilleure charge. Puis c'est Battle Line aussi dans Idolaters. Donc, Iron Golem vient de battre les Chaos Warriors. Là, ici, on a une règle bizarre là, que un de tes chariots, Gorby's Chariot, dans ton armée peut être un Idolator Lord. Donc, il gagne le Idolator Lord, Hero et Priest Keyword. C'est un Exalted Charioteer, même s'il y a juste un modèle. Et vous devez lui donner une marque du chaos. C'est ça. Il connaît une prière qui correspond à sa marque du chaos. Donc, on va voir les prières de l'autre côté. Notre habilité, on ajoute un wound roll fait par les Idolaters modèle qui target un priest. Donc, en plus d'être des priests, ils ne trippent pas sur les priests ennemis. Puis, on a une command ability. Donc, c'est basically, c'est desecrater un terrain. C'est enlever les scenery rolls de ce terrain-là là, pour le reste de la bataille. Pas terrible. Pas terrible, terrible. Vite comme ça, c'est pas la Damned Legion la plus impressionnante, je pense, là. Avoir une prayer de plus, on va voir avec les prières de l'autre côté, là. Avoir une prayer de plus pour être intéressant, mais je pense qu'on perd beaucoup comparé à ce qu'on avait ailleurs, là. Laissez-moi le retrouver ici. Broken Realms, Prayers. Donc, Common Traits, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Le général peut chanter 2 prières et probablement une des meilleures. Puis, ajouter 2 characteristics. Ou, excusez, celui-là ici. Un Common Mobility, sans utiliser un Common Point. J'en parle depuis tantôt. Ça peut être sa coche. Les prières, ben, ça va dépendre de ton keyword. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà comme les prières du War Shrine. Donc, Khorne, tu peux reroller les hit rolls. Dinge, c'est les save rolls. Nurgle, c'est les wound rolls. Slanesh, c'est les charge rolls. Et Undivided, c'est healer des 3 wounds. Donc, assez basic comme prière. Rien de super impressionnant, rien de super excitant. Tout ce que ça fait, c'est qu'une War Shrine va pouvoir caster 2 prières. Va pouvoir faire 2 prières, on va pouvoir faire une prière de ça, on va pouvoir faire une prière de son War Scroll. Fait que là, on vient chercher un peu plus de buff. Mais je suis quand même assez déçu de ça pour Slave to Darkness. Je pense que c'est plus fluff un peu pour les gens qui veulent jouer les Warbands, les cultistes. Idolate au Lord seulement, oui, c'est vrai. T'as raison. Fait que c'est même pas la War Shrine. Oh my god. Ok. Fait qu'on... on reparlera pas ben de cette... Dame Legion-là, je pense. Je pense pas qu'on la voie tant que ça. Et on a eu un beau bataillon pour des chariots. Donc, le Idolator Lord avec 2 Gore Beast Chariots. Donc, on a le keyword Idolator Lord. Ça veut dire que ça peut juste être dans cette subfaction-là. Il se rajoute 2 attaques sur sa Chaos Great Blade et elle a un damage de D3 au lieu de 2. Elle a un damage caractéristique de D3 au lieu de 2. Juste changer le dégât comme ça, moi je préférais avoir 2 que D3. Il me semble que tu es certain d'avoir ton dommage. Parce que tu sais, faire une attaque avec un héros puis c'est D3 puis tu roules un 1 là. Oh. Le reste est bon, là. Unmodified Hit Rolls 6, ça fait D3 mortel et ça termine. Il peut même pas être ton général raw. Est-ce qu'il y a besoin d'être leader, d'avoir le Battlefield Role Leader? Je pense que pour être général, c'est juste keyword hero, non? Dans le même principe qu'un War Shrine peut pas être général parce qu'il n'y a pas le keyword hero. Lui, il va pouvoir parce qu'il y a le keyword hero, non? Je pense pas que ça a rapport avec le leader Battlefield Role. Ça serait à valider, par contre. Et on a les points pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ils l'ont fac pour les Knights of the Empty Throne. Ouais, ils vont peut-être devoir faquer pour ceux-là aussi, de bord. Fait que ça fait le tour. Pour Broken Realms, on a vu les 5 factions. Beaucoup de stock. Je pense que je l'ai dit tantôt. Je pense que Deepkin, Idoneth ont sorti grand gagnant de ce livre-là. On a eu des updates de War Scroll et quelques Mount Traits. Super intéressants qui vont vraiment les changer un peu ce qu'on va voir sur la table. On va voir encore des Heals malheureusement, mais probablement que les Heals vont être accompagnés de tortues et de requins. Donc c'est déjà un peu plus cool à voir sur la table. Peut-être des listes cool qui vont être aussi avec des Namartis, là, avec le Leviathan qui va les buffer un petit peu. Peut-être. Slaves to Darkness, on vient d'en parler, mais... je pense pas que ça va être tant la peine que ça. Stormcast aussi. À part pouvoir amener des units de Cities dans ta liste, je vois pas l'utilité tant que ça. On perd beaucoup. Cities, super intéressant. 2 nouvelles Cities, donc ça nous donne beaucoup de nouvelles façons de jouer la multitude de War Scrolls du livre. Donc je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à voir dans les listes des gens qui vont venir au tournoi ou de... faire des armées un peu différentes, surtout quand il va y avoir du Daughters of Khaine dedans. Et finalement, justement, les Daughters of Khaine, des buffs intéressants, un temple intéressant. Est-ce que ça va être overshadowed par Hagnar encore? Possiblement. Il va falloir attendre de voir. C'est dur à dire. Très dur à dire. Ouais. Fait que ça fait le tour pour le livre. Boum. Ça fait le tour pour le livre. Comme je disais au début, bien hâte de pouvoir lire le lore aussi. Je veux savoir ce qui se passe avec le rituel de Morathi et puis pourquoi, qu'est-ce qui arrive à Anvilgard, elle se fait annexer, comment ça se passe puis tout ça. Je veux voir comment ça se fait, ça m'intrigue, fait que j'ai bien hâte de lire ça. Au niveau des règles, ben, c'est un beau petit livre qui vient faire une belle update. On a eu beaucoup de choses intéressantes. Je pense que ce qu'il faut en retirer aussi, c'est que ça augure bien, possiblement pour le reste des Broken Realms, des livres de Broken Realms. Là. Ça, il faut se rappeler que c'est juste le premier. Il se pose en avoir d'autres. Combien, on ne sait pas. Mais là, ils ont updaté 5 factions. Fait qu'on peut possiblement croire qu'ils vont en updater encore 5 avec la prochaine, peut-être. Donc, bien hâte de voir la suite. Puis si chaque livre aussi fait avancer l'histoire, fait avancer le lore, ça aussi, ça s'en vient cool. Là. Fait que, ouais. Très, très nice. Bien hâte de mettre mes mains là-dessus. Vite, le prochain, c'est lequel et quand? Ouais, mais ça, va falloir attendre. On ne sait pas à quel point ils vont faire les updates rapidement. Segment boule de cristal. Moi, je pense que le prochain... d'après moi, ils vont peut-être focusser sur destruction. Je verrais bien un Broken Realms Gordrak. Puis c'est genre Gordrak qui s'en va cogner à la porte de... C'est-tu Azirheim, la ville de Stormcast dans Azir, là? La ville de Sigmar, là? Ça serait quand même assez cool que Gordrak fasse comme oh, on est là! Puis qu'il s'en aille attaquer Azir, là. Mais ouais, quelque chose avec Gordrak, quelque chose qui vient nous montrer un peu leur côté à eux, avec Gorka Morka peut-être, ça pourrait être très cool. Là. Mais j'ai hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça. Je pense que c'est un bon départ. On va le dire comme ça. Korgos Cool et Vandus, ouais, on pourrait peut-être faire un retour à eux autres. Mon Dieu, les premières histoires des Realm Gate Wars avec Vandus Hammerhand puis Korgos Cool. Que s'est-il passé? Que sont-ils devenus? Oruk et qui d'autre? Ok, ouais, toi tu veux que je dise les 5 dans la faction, là. Fait qu'il y a eux. Une nouvelle city. Hein, on va avoir Azirheim, si c'est vraiment le nom de la city. Je ne suis pas certain. Donc, une nouvelle city encore qui regroupe probablement des Stormcast, peut-être même des Séraphons. Hein? Je sais pas. Peut-être que Séraphon pourrait être updaté là-dedans aussi. Il pourrait y avoir Skaven. Skaven peuvent... creuser un peu partout dans les realms. Est-ce que Skaven se pointe sans faire exprès à travers tout ça dans Azir? Ça pourrait être assez cool à voir comme ça. Ça pourrait être le chaos. Est-ce qu'il va y avoir du Death? Je pense que Death ne fitterait pas vraiment avec Azir, surtout si on a déjà les deux autres. Peut-être voir Caradron. J'essaie d'y aller plus par... J'y vais pas par faction qui en a sans besoin d'update. J'y vais par faction qui font peut-être un peu plus de sens dans le lore. Petit Caradon qui se pointe en bateau. Je sais pas. Je peux vous dire lesquels j'ai hâte. Moi, je veux voir de quoi pour Fireslayer. Je veux voir de quoi pour Luminette. Luminette, ça va être super facile parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux modèles ou d'autres... d'autres villes, d'autres nations luminettes qui vont s'en venir. Fait que ça pourrait se faire facilement. J'attends de quoi pour les Beasts of Chaos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites quelque chose pour les Beasts of Chaos. Ouais. Puis, j'ai du Zinch aussi. Quelque chose pour Zinch pourrait être cool, mais... Magotkin, le Battletome est vieux. Ouais, rendu là, j'aimerais ça juste voir un nouveau Battletome Magotkin. Mais effectivement, ils vont peut-être avoir de quoi. Est-ce qu'on va être encore... J'aimerais ça que Magotkin... J'aimerais ça que Nurgle, il... on ait une nouvelle histoire, que ce soit pas juste sur... que ça se passe encore genre dans Guiran, puis que ce soit contre les Sylvanesses, dans le Realm of Life. Je comprends que lui, c'est son dada, mais j'aimerais ça le voir ailleurs. Je veux le voir ailleurs. Un gros play de papa. Malerion, Umbranet, je penserais pas. Je pense pas qu'on va voir des Umbranet avant la 3e édition. Moi, d'après moi, Umbranet, ça sortira pas avant... Puis tant mieux si je me trompe, mais d'après moi, on n'aura pas ça avant 2022. Ouais. Fait que je m'attends pas... Je m'attends pas à ce qu'on aille un release de nouvelles factions complètement avec les livres de Broken Realms. Je pense que les livres de Broken Realms vont plus nous amener tranquillement pas vite sur... la 3e édition, possiblement l'année prochaine, peut-être retardée à cause de la pandémie mondiale. Ça va être dur à dire, mais je pense qu'on s'enligne un peu vers ça. Là. Ouais. Cool. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cet épisode. On a fait un épisode un peu plus long, mais on a réussi à passer à travers de toutes les updates du livre. Ça a été bien. Un gros merci à tout le monde dans le Twitch chat. Merci aux subscribers d'être là. Merci aux autres aussi. N'hésitez pas à follow le channel. N'hésitez pas à vous subber pour supporter le channel. On a un giveaway en ce moment par rapport à ça. Les gens qui nous écoutent en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à vous subscribe aussi. Je suis bien content de vous avoir là aussi. Je mets de plus en plus de vidéos sur YouTube avec les Battle Reports sur TTS que je fais aussi à chaque semaine. Donc, on essaie de grow ce côté-là aussi. Merci tout le monde. Je vous rappelle qu'on a le Paint to Glory en ce moment. Et on a le Home Hammer. Merci Céline, drette là avec les liens, that's it. Un gros merci. Si on se permet le parallèle à 40K, c'est probable. Ouais, tu parles de nous amener vers la 3e édition, absolument. On peut facilement faire le parallèle avec ce qu'a été Psychic Awakening. Là. Donc, est-ce qu'on s'en va sur là? Peut-être, peut-être. Donc, gros merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et c'est encore à valider s'il va y avoir un match TTS en fin de semaine prochaine. On devrait avoir des nouvelles là-dessus sur la page Facebook. Vous pouvez me suivre là aussi ou même sur Twitter aussi. Puis si jamais ça n'a pas lieu, ben, je vais dire à tout le monde au prochain double tour mardi prochain. Bonne fin de soirée! was that? One Wildwood? Yeah, The Gentleman, 14 rating. How gentlemanly of you. Cheers and welcome to chat, gang.